Comment améliorer la qualité de vos vidéos? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur Perfect Video. Oui, parce que c'est la qualité sur mobile, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter une caméra incroyable, c'est juste sur Perfect Video que ça se passe au montage. Bonne vidéo! Bon, alors nous voici sur Perfect Video. Alors, j'avais déjà fait un rec, du coup je vais tout réinitialiser. Alors comme ça, ça vous montre la réinitialisation. En gros, c'est la petite flèche qui fait demi-tour. Voilà. Alors, on va commencer par luminosité. Alors, luminosité, ça donne... Ça fait ça, en fait. Ben, je crois que vous savez lire. ici, ça fait plus sombre et là, plus clair. Donc moi, je crois que ma luminosité, elle est assez bien. Juste ouais, la mettre un petit peu plus foncée, comme ça, on voit un petit peu plus. Ici, c'est le contraste. En gros, si c'est plus chaud... ou plus brumeux, donc moi je vais un petit peu plus brumeux puisque j'ai pas envie que ça soit plus chaud. On n'est pas obligé de faire les réglages, hein. Après si vous voulez avoir une vidéo avec une qualité un peu plus médiocre, ou alors si votre vidéo est déjà de bonne qualité, vous n'êtes pas obligé de les faire. Ensuite, on va passer sur la saturation. En gros, bah, la saturation, c'est soit noir et blanc, soit hyper clair. Donc moi je vous conseille de pas la toucher. La teinte. La teinte non plus. La teinte, en fait, c'est les couleurs, les plusieurs couleurs différentes. Ensuite, l'exposition. L'exposition... Il faut que ce soit ouais, plus clair. La vibrance. Alors, la vibrance. La vibrance, ouais, c'est soit rouge, soit un peu blanc. Donc c'est assez bizarre comme truc. Voilà, donc moi je vais faire un peu plus comme ça. Je suis désolé, je parle un peu parce qu'en fait là je suis concentré à pas me mettre dans les orties puisque je suis dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a plein d'orties. Genre je vais arrêter de raconter ma vie. Donc là, pour que le mur paraisse plus blanc, il faut faire la température. Mais regardez bien. Et la dernière chose, du coup... c'est le vignettage. Alors le vignettage, c'est pas hyper important, c'est soit noir soit blanc. Donc moi je vous conseille de le laisser pour une vidéo à peu près comme ça. Mais si vous voulez faire un truc genre pour rire, un truc de film, mettez le vignettage, ça peut être marrant. Et ensuite la dernière chose, si vous avez besoin, par exemple si la vidéo passe d'un coup en qualité médiocre, ou alors que vous êtes d'un coup au soleil, je vous conseille de mettre un petit truc qui ressemble à un diamant, un petit truc là où vous avez besoin. Et dans ce cas bah, vous pouvez bouger n'importe comment, et du coup bah, ça le bouge comme ça, hop, au revoir. Donc voilà, donc là moi je vais supprimer le truc puisque j'en ai pas besoin. Supprimer. Donc voilà, alors du coup c'est pas la fin de la vidéo, hein. D'abord je vais vous montrer ce que ça donne, la différence. Voilà la différence, ça change beaucoup, non? C'est beaucoup plus joli. Bon, alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous. On se retrouve une prochaine fois. Au revoir.